Alors, est-ce que tu veux que je fasse... que j'utilise mon pouvoir pour mettre quelqu'un quelque part? Je sais pas. Bah, je sais pas si c'est jamais ça peut t'aider. Je n'ai pas de plan pour l'entièreté de la salle, donc il va falloir qu'on avise. Dès qu'il y a une alerte, qu'on retourne au... Hé, hey, tu vas pas mettre un piège devant la porte, là? Et puis ouais, que l'on se fasse... j'y pensais, mais j'ai l'impression qu'ils viennent pas tous. Donc on en aura genre un. Bah, c'est déjà pas mal, non? Alors, si je peux mettre un piège au milieu de la salle, peut-être? Je vais essayer ça. Tu viens pas de dire que... Ah, au milieu de la salle, ouais, ici? Au milieu de la salle dans la lumière, quoi. Genre, imaginons. Imaginons, je fais ça. Ça, au milieu, là, hop. Voilà. Ça servira pour plus tard. Ouais, il va falloir qu'il marche dessus. Non, mais c'est une AOE autour. Ah. Tu veux utiliser des clochettes? Attends, je vais tenter quelque chose d'un peu plus direct. Il y a des gens qui sont en mode, hé, eh, que se passe-t-il? Qui vient dans tes... Dieu, qui vient dans ta direction. Oh, meurtre au Shingen. Shinen, pardon. Not bad. Ok, 3 en moins. Merci. Je vais peut-être pouvoir sortir maintenant. Parce que c'est vrai que c'est très lumineux tout ça. Salaud. 10 ans derrière le mec. Bah, j'avance lentement. Hein. Ok, il y a un archer qui se pose des questions là-bas. Il se retourne lui ou pas? Moi aussi, je fais mon travail. J'en ai eu un. Yeah. Yeah. Ah, le parchemin est en effet au milieu de la salle en haut. Oups, attends. Il y a un mec là pas loin de moi. Retourne-toi, ordure. C'est ça. Ok, il reste encore un au-dessus de toi. Tant qu'il fasse demi-tour. Bravo. C'est le dernier? Je crois. En tout cas dans ceux qui sont marqués, oui. Et le parchemin est derrière toi. Là. Ah. C'est pas le centre de la salle que je pensais. Ce centre-là. Là où mais... tous les diamètres se croisent. Mais... Alright. C'est une bonne salle. Hein. Par contre, j'aurais besoin du temple. J'ai vu qu'il y en avait un pas loin. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser tous les couloirs. Ouais, il y en a un à 30 mètres derrière la porte fermée. Ok. Je suis content. Il faut trouver comment sortir de la salle, en fait, je pense. Extrêmement content. Et joie. Tu es joisse. Joisse. Alors. Si je passe comme ça, je passe comme ça, paf, c'est bon. Allez hop. Il me dit que la pièce centrale se trouve juste derrière ces portes. La porte que nous cherchons est au milieu de la pièce, mais elle est protégée par une barrière de lumière. Je suis en prison. Ah. Elle est alimentée par 4 orbes. Chacun d'entre eux se trouve dans une pièce différente dédiée à un élément. Le feu, l'eau, la terre et le vent. Tu vas devoir tous les détruire pour parvenir au talisman. Ah. Une partie de plaisir. Of du gaming. Course. Ok. Ouais, quand même. Attends, on en est où? Bon allez, j'utilise. Bon. Ah oui, on a 3 symboles d'objectifs, là. 4.
Il y en a un à 50 mètres là. Yep. Mais j'imagine qu'on peut y aller direct, qu'il faut passer par la salle. Et juste en dessous, il y a un parchemin. Vu que ça, c'est la salle où on était juste avant, je crois. Pas avant d'accès direct. Oui, il y a du sang par terre, donc... En effet, on peut par la même imaginer que meurtre il y a eu. Bon. Ah oui, il y a les symboles des éléments. Les éléments. C'est les morts. Aristote, toujours aussi content. Comment faire, quel enfer? Il y a un mec juste au-dessus de toi. Ça a marché. Alors. Bon, je pourrais le tuer si j'étais pas là où je suis. Si jamais on a un problème, on revient à la grille où on était avant. Oui, on revient à la place d'avant, donc au pire. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Imaginons. Imaginons, ça crée un souci. Type diplomatique. Imaginons, hein. Ah, mais il y en a un qui arrive. Il y en a plusieurs qui viennent, même. Non. Ah, je pensais pas que t'allais courir dedans. Succès déverrouillé, Aragami. Aragami. Tiens, genre, ce que c'est, mais... Il y a trois personnes, elles courent dedans. Ça passe. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse. C'était inattendu, on va dire. Ah, moi j'ai compris que dès que t'as commencé à courir comme ça, je me suis dit, bon bah c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Fallait imaginer. Bouah. Oh, le groupe de trois. Et l'assassin qui court dedans, quoi. Ouais. Parfois ça peut... Non. Non, ah, ça assassin, marche pas. Assassin, oui, mais rugbyman avant tout. Hein. Oh. On peut s'entendre. Désolé mon gars. Maintenant ça y est, c'est fini les cadavres, on s'en fiche. Ah là tout de suite maintenant, oui, mais... Viendra un moment, on sera de nouveau propre. Chaque chose en son temps. Tiens, j'ai pas mon nom qui remonte ici, je suis pas vraiment dans... Ah, ici. Ok, très bien. Oui, il y a des ombres comme ça, elles sont pas assez ombres. Il y a des fausses ombres. C'est ça. Je cours! Regardez-le! Oh! Oui, je peux pas mettre le bruitage, hein. C'est beau. Tellement de gens, quoi, sérieux. Attention à tes pouvoirs, hein. Oh, j'avoue. Oh, j'avoue. Avec le tarché là qui arrive. Bon, imaginons que j'aille vers un objectif. Voilà. On peut aller là. J'ai le droit. Un templouné. Yay. I'm back, bitches. Alors. C'est le vent ici. Et vent, petit pas de ta vent. Que te disent tes parchemins? Mes parchemins me disent tant de choses. Ils me disent, alors attends, 95 mètres, 128 mètres, 37 mètres par là. Il y a quelque chose là? Faisons déjà tout ce qu'il y a dans ce bâtiment. Ah pardon. C'est pas tout de suite. Bah, il faut passer par-dessus. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un trou. C'est de là dont on vient? Non, c'est l'une des quatre épreuves. Il y a quatre orbes, un pour chaque élément, là c'est celui du vent. Et la salle où on était avant, c'est la salle où il y a... C'est le hub quoi, si tu veux. Ok, c'est d'accord. Pour aller dans chacune des directions. Donc tout ce qu'il y a dans ce bâtiment, en termes de parchemin, on va essayer de le faire en même temps qu'on fait l'orbe. Très bien monsieur. Voilà. Voilà madame. Voilà. Pas vu, pas pris.
Pas vu, pas connu. Alors, là, monsieur là. Oh, non, mais viens pas là. Ah, si, vas-y, fais-le. Attention, l'archer derrière toi. Tu l'as vite tué l'archer. Oh putain, il y a un mec qui vient de passer à côté de moi, il m'a pas vu. J'avais pas vu non plus, tu me diras. Ok. Très bien. Oh, il y a un mec qui arrive. Shit. Il reste des gens. Ouais. Ah. Il y a un mec qui monte des escaliers. Là. Effectivement. Là, mon gars. Alors, qu'est-ce qu'il fout, ce con? Alors. Ah, il se fait tuer, j'attendais. Sur moi. C'est moi? Ah. Casse l'orbe à côté de toi, hein, sinon. Ah. Pardon. J'avais pas vu que tu l'avais en joue. Et... Hop! Yay, ça m'a fait revenir. Youpi! Un de moins. Alors attends, parchemin, parchemin... Oui. Y en a un juste en dessous de moi, à 11 mètres, donc. Donc un ou deux étages en dessous, quoi. C'est ça. Ici, on a une petite fenêtre. C'est pas celle où oh, j'ai loupé! Fuck. Je suis coincé. Ah! Je le vois pas ici. Ça doit être... Bah c'est en dessous de moi. Attends, bah, c'était là où j'étais. Ou alors il y a un autre entresol. Oh, terrible. Ah non, c'est tout en bas. C'était en bas en fait. Ça. C'est au niveau du sol. Ah. Comment on rentre au niveau du sol dans ce truc? Oh, j'ai... Ah non, je vais passer en dessous. Ah si, c'est bon, c'est ici. Ah. Nice. Oulala, ça fait très tombeau. Oulala. Fancy, fancy. Il y en avait d'autres dans ce bâtiment ou pas? Ouais, je crois pas. Attends. Ça c'est... Hop. Alors, je check. Non, tous les autres sont à plus de 100 mètres. Ok. Bon, c'est déjà bien. Bon, retourner dans le hub et partir sur une autre épreuve. Ouais, moi je vais partir sur le temple à ouvrir. Voilà. Alors. Ouais, c'est vrai que j'avais fait des meurtres. Terrible. Ah, t'avais fait des meurtres déjà là-dedans. Merde. Hop là. Ça va, il reste pas trop de monde. Ah ouais, je les ai pas tous su, merde. Il y a un mec qui arrive dans oui, ta direction. La salle est très grande. Effectivement.
Oh, il y a aussi un archer là-haut. Oui. J'arrive pas à le viser par contre. Oui, il en restait encore un, je crois. Voilà. Putain, mais il y a combien de gens? Heureusement que tu étais là. Tout va bien. Et voilà. Ah oui, j'ai eu le bruit en mode fort. De... Bien, bon, ça devrait être mieux, cette salle. Enfin, mieux. Alors... Ça dépend des perspectives, hein, mais... On a fait le vent. Elle est là, hein, faire la terre. À moins que dans la salle du milieu, tu vois un parchemin à trouver. Ici, je crois... pas... Je crois pas. Ok. Attends, je regarde, mais les trucs... non, ça c'est ensemble. Ça c'est ensemble. Et ouais, ouais là-dedans, il n'y a rien de plus. Alors, bah, on fait celui qui est par là, ouais, celui qui est à 50 mètres. À terre. T'as passage en haut aussi ou pas? Yes. C'est mieux les passages en haut. Toujours. Ah, des gens qui se posent des questions. Ah oui, il y a des archers directs. Il y a un mec aussi, si tu peux t'en occuper. Juste à quoi, en face de toi, yes. Ouf. Chaud, chaud, chaud. Oh, chaud. Chaud, les marronniaux. Un parchemin. Oh nice. Il reste plus personne dans la pièce. Les archers c'est fait, on a fait un garde mais ça m'étonnerait qu'il y ait que ça. Il doit pas être assez. Oui. Il doit y en avoir un en dessous. T'as ton pouvoir de détection? Ouais. Attends, je le fais. Voilà. Oui, voilà. Effectivement. Mieux. C'est ce que je me disais, est-ce qu'il en reste pas assez et que j'ai pas besoin de l'utiliser, mais non, ils sont nombreux les petits. Oh non, terrible, j'ai plus de l'ombre. En mode alors lequel je fais d'abord? Ok. Alors, maintenant que oh, merde, j'ai de l'ombre trop... à nouveau... Je suis trop haute pour faire mon attaque sur lui. C'est con. Ah. C'est bon. Ensuite... Venez donc par ici, bon bon monsieur. Des petits endroits où il se cache. De plus et il reste tout le monde est mort de mon côté, ouais, j'ai l'impression. Yeah, nice.
Alors. Wouhou. Il y avait d'autres parchemins que celui qu'on a déjà chopé ici ou pas? Il n'est que ce mot à la bouche. Les parchemins. J'ai pas l'impression. Ok, par contre, il faut qu'on trouve l'orbe. Ouais, il y a un orbe à casser. Bah, il va falloir chercher. Ou alors un autre chemin à choper. Ça, c'est peut-être le chemin pour sortir. Ouais, c'est vrai que j'avais vu un truc là, et puis on peut passer ici. Voyez-vous? Genre là, puis on arrive là, et puis après on fait ça, et paf. T'as trouvé le chemin, non? Je pense, je suis sur le gros symbole de la Terre, là. Ooh, nice. Casser un orbe, mais ça doit pas être le bon, parce que ça a rien fait. Enfin, y a si, rien non plus de mon côté. Truc, mais... Donc on doit y avoir plusieurs, peut-être. Ah, peut-être. Ou alors il y a un truc... Ah oui, non, mais je peux monter au-dessus dans cette pièce. Débile. C'est bon. Bravo! Parfait! Plus que la moitié! Dit comme ça! Super! C'est plus que la moitié! Alors, c'était pour où la sortie déjà? On était arrivé par le haut. Tac, et c'était en face de ça, non? J'arrive pas à me rappeler. Ah, c'est là-bas! Ah! Bah. Yay! Bah. Ah. Très bien! Il y avait un temple, hein. Ouais. Parfait. Comment on se jette dessus? Le temple! Le temple! Alors, par ici, très bien, il y en a aussi un de Bignou. Ça, c'est le hub. Donc, on a fait la terre, le vent, alors l'eau. Il est assez proche. On peut passer par en haut aussi. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire aussi. C'est toujours mieux. Oh, il y a un archer juste là. Bonjour, enchanté. Bonjour, monsieur l'archer. Comment allez-vous? Il y a du monde un peu partout. Oui. Ouais, c'est bon, je pense que... Ah non, ils ont pas tous été pris en compte. Non, la salle est beaucoup trop grande. Je pensais que ça passait. Il y en a sur les côtés encore. Nice. Ouais, bon, il manque encore fond, certains, mais... Petit à petit, hein. J'ai fait comme j'ai pu.